Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet hôtel de région, assez impressionnant. Alors nous avons une heure et demie pour passer le test Turing, on va essayer de vérifier, de savoir si nous sommes des robots ou des humains. Le thème de la conférence que vous avez choisi s'intitule « Nouvelles technologies et renouveau de l'humanité », donc la barre est placée très haut. En premier lieu, je voudrais d'abord présenter les excuses de deux intervenants qui, pour des raisons totalement indépendantes, d'abord de la volonté des organisateurs et évidemment de moi-même, l'animateur, et de mes compères, n'ont pas pu venir pour des raisons qui ont vraiment échappé à leur volonté, mais il y avait un problème de déplacement et de difficulté de voyage pour Pascal Pic et Laurent Alexandre, qui malheureusement, donc, et nous le regrettons beaucoup, ne sont pas parmi nous. Néanmoins, et même s'ils sont très bien, nous avons les meilleurs qui, eux, sont là, qui sont aussi les meilleurs, en la personne de, d'abord, Michel Debonneuil. Donc, Michel Debonneuil, que je connais depuis longtemps, qui est économiste, qui a travaillé beaucoup sur, comme vous le savez, le plan Borloo de développement des services à la personne, qui a, au cours de sa vie, mené beaucoup de travaux de terrain, notamment de recherche sur, finalement, les conséquences, et on va en parler, des nouvelles technologies sur l'emploi, et elle développe dans un livre qu'elle vous présentera et dont on développera les thèses au cours de la conférence, qui s'appelle « La révolution quaternaire », c'est sous-titré, c'est très optimiste pour la France, j'imagine, vous parlez, « Créer 4 millions d'emplois, c'est possible », donc on parlera de ce sujet. Et à côté d'elle, nous avons Denis Jacquet. Denis Jacquet, il est entrepreneur, il est président de l'Observatoire de l'ubérisation, donc il s'interroge sur ce phénomène. On va peut-être décrire ce mot pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Uber, mais je pense que tout le monde a compris qu'Uber a donné lieu à ce substantif ubérisation qui inquiète, ou en tout cas qui interpelle. Donc cet observatoire, finalement, regarde et cherche à réfléchir là aussi sur l'impact des nouvelles technologies sur l'ensemble des activités économiques. Et il a également un, je ne sais pas si on doit parler d'un club d'entreprise qui s'appelle Parrainer la croissance, et qui est organisé autour justement de toute cette économie de start-up qui cherche à profiter et voir s'il y a, parce qu'il faut être optimiste, des opportunités économiques dans toutes les révolutions que nous vivons. Et il est également l'auteur d'un livre, je le signale, qui s'appelle « Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ». Alors, moi je me présente, je m'appelle Philippe Mabi, je dirige la rédaction du journal La Tribune, Tribune qui s'est fait ubériser, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, puisque nous ne paraissons presque plus en papier, uniquement une fois par semaine en hebdomadaire. Nous étions un quotidien concurrent des Échos, quotidien papier, donc on ne paraît plus en papier depuis un peu plus de 5 ans, mais on est sur Internet et on essaye de vivre et de trouver un modèle économique dans ce monde de l'ubérisation avec notre meilleur ami Google et Facebook. Et donc je vous renvoie à la lecture de La Tribune sur le net, mais si vous voulez l'acheter en papier, ça existe aussi, vous pouvez même vous abonner, c'est pas cher. Et on parle beaucoup de ces sujets, c'est la raison de ma présence ici. Pardon pour cette petite publicité, mais j'en profite. Alors, ce que je pense que je dois aussi vous dire, c'est que vous pouvez nous envoyer, ça a déjà d'ailleurs commencé, des tas de questions, alors je sais pas, non, ça c'est les questions de la table ronde précédente, pardon, en envoyant, voilà, au téléphone qui est indiqué là, elles m'arrivent directement et elles me permettront de les relayer. Pour essayer de cadrer le débat, parce que nouvelles technologies et renouveau de l'humanité, ça fait penser, vous êtes sans doute tous familiers avec beaucoup de livres qui sont en train de sortir en ce moment. Il y a celui de Hariri notamment qui fait beaucoup parler de lui, qui avait écrit Homo sapiens et qui vient de sortir Homo Deus, qui a même été reçu, je crois, par Emmanuel Macron, donc un président de la République qui s'intéresse au transhumanisme, puisque le mot doit être lâché, transhumanisme, c'est-à-dire la question de savoir si on n'est pas en train d'aller vers un monde où l'homme va changer complètement de nature du fait de ces nouvelles technologies. Est-ce que l'homo sapiens va succéder à un autre homo quelque chose, et ça peut être l'un des débats de la table ronde. Je crois qu'il faut aussi se dire que le thème de la table ronde, peut-être pour le resserrer sur des choses plus concrètes, c'est de se dire, est-ce que cette nouvelle économie, ces nouvelles technologies, l'arrivée de l'intelligence artificielle, des robots, est une menace pour l'emploi, c'est une menace pour l'homme dans finalement son,
son activité principale, on y passe quand même pas mal de temps dans notre vie, qui est la capacité à s'épanouir finalement en tant qu'humain, ou est-ce qu'il va être remplacé, est-ce que toutes les activités économiques vont être remplacées par ces nouveaux acteurs technologiques? Est-ce qu'il va y avoir une domination aussi? C'est une question qu'on peut se poser. On parle beaucoup des GAFA. Je crois qu'il y aura une conférence cet après-midi spécifiquement sur eux, donc sur Google, Apple, Facebook. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les GAFA et la Californie. Il y a les Chinois qui sont extrêmement forts aussi. On les appelle les BATX, eux. Donc, c'est Baidu, c'est Alibaba. Donc, ils font un peu la même chose en réalité, mais point de vue chinois. Et puis, la question se pose de savoir est-ce que l'Europe, au milieu de tout ça, n'est pas en train de se faire complètement dépasser. C'est un peu la thèse de Laurent Alexandre, qui n'est pas là, mais que chacun connaît. Il a écrit un livre qui s'appelle « La guerre des intelligences » et qui dit « Si l'Europe, notamment, et si, de façon générale, l'homme ne se met pas très rapidement à essayer de rattraper le retard qu'il est en train de prendre face à l'intelligence artificielle, nous allons connaître de graves difficultés. » Donc, pour commencer à évoquer ce débat, je voudrais demander à Michel de Bonneuil, peut-être, de partir du constat de qu'est-ce qu'on est en train de vivre comme révolution économique avec les nouvelles technologies, et en quoi ça change tout, et en quoi c'est en train de s'accélérer au point qu'on pourrait presque dire on n'en a peut-être pas pris conscience, mais on y est déjà. Michel. Bonjour à tous. Oui, je pense qu'une façon synthétique de dire les choses, c'est que jusqu'à présent, ce que vont changer ces technologies, c'est d'abord élargir considérablement le champ des possibles. Mais pour préciser un petit peu ce dont il s'agit, je pense qu'on voit aujourd'hui que les modes de vie vont être transformés pour la raison suivante, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, pour satisfaire nos besoins, on avait deux possibilités, acheter des biens ou acheter des services. Et avec les nouvelles technologies de l'information, on va pouvoir, au contraire, mettre à notre disposition les biens et les personnes sur nos lieux de vie. Donc vous voyez, c'est un renversement total de façon de satisfaire les besoins, puisque nous n'avons plus besoin d'acheter les biens, puisqu'on sait nous les mettre à disposition, et nous n'avons plus besoin de nous rendre de façon exceptionnelle dans des services qui étaient souvent dans des lieux différents de ceux où nous étions, pour avoir le bénéfice du savoir ou du savoir-faire d'une personne dont nous avions besoin. Aujourd'hui, tout ça vient à nous, peut venir à nous, là où nous en avons besoin. Donc, comme disent les Américains, c'est user-centric. Les choses sont centrées sur la personne. Donc, c'est une révolution civilisationnelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que... Alors, je pense qu'on a intérêt à ne pas nommer de la même façon cette façon de satisfaire les besoins et les services. Alors, je prends l'exemple des applications. Les applications que vous utilisez tous les jours, c'est une mise à disposition temporaire de biens et de personnes sur les lieux de vie. Donc, sans conteste, ce sont des solutions. Personne n'aurait l'idée de dire que ces applications sont des services. Voilà, c'est vraiment à la fois différent sur la nature de la façon de satisfaire les besoins, en même temps en termes de mode de production, ça n'a rien à voir. Donc si on veut pouvoir traiter les choses correctement, on a tout à fait intérêt à dire qu'on est dans une nouvelle industrie qui intègre en fait les biens qui sont mis à disposition et les personnes qui travaillent dans les services, hein, pour faire des nouveaux produits, une nouvelle catégorie de produits qui sont ces solutions, qui vont former une nouvelle néo-industrie productive et donc qui intègre en quelque sorte le secondaire, les biens, et le tertiaire, les services. C'est pour ça que je propose d'appeler ça un secteur quaternaire. Et donc une économie quaternaire dont le cœur va désormais être ces nouvelles solutions. Alors, pour préciser ça, on voit bien que ce qui aujourd'hui existe, rend service, est apprécié et est en train de se développer à la vitesse grand V, ce sont ces fameux GAFA dont Philippe a parlé, qui ont trouvé une façon magistrale de repenser les modèles économiques, c'est-à-dire que eux, c'est ce qu'on appelle le coût marginal nul, c'est-à-dire que eux ne font que manipuler
de l'information. Il la collecte, il la traite, mais tout ce qui est manipulation des biens et des hommes, ce n'est pas dans leur paradigme, ce n'est pas dedans. Et il faut vraiment le dire, parce que pour, c'est pour donner une illustration, Uber ne possède aucune voiture. Voilà. Fait travailler des chauffeurs qui sont propriétaires de leur voiture. Airbnb ne possède aucun appartement, mais vous permet d'user des appartements pour le louer, comme le feraient des hôtels. Google ne possède pas de journaux, et pourtant vous lisez La Tribune et tous les autres journaux sur Google. Voilà. C'est-à-dire, ils ont eu l'excellente idée d'utiliser une plateforme mondiale qui existait, hein, qui est Internet. Ils ont utilisé cette plateforme pour mettre en relation directe le producteur et chaque producteur qui pouvait proposer ces logiciels qui donnent de l'information pour organiser ces mises à disposition de biens et de personnes. Donc ils ont à fond été dans cette direction de fournir l'information au consommateur pour qu'il puisse lui-même mettre à disposition ses biens et ses personnes. Et on voit que c'est génialissime, c'est génialissime, on ne peut que s'incliner, ce sont des entrepreneurs et génialissimes. Le problème, c'est qu'effectivement, le développement peut être tel qu'il peut emporter tout sur son passage. Et la grosse difficulté, c'est de faire en sorte qu'ils occupent une place, parce qu'ils ont en effet une place très intéressante à occuper, mais il ne faut pas qu'ils occupent tout le terrain. Parce qu'encore une fois, leur paradigme, c'est vraiment de supprimer l'homme. Puisque c'est pas ça qu'ils voyaient, ils n'auront de cesse de vouloir remplacer l'homme par des robots. Par exemple, pour remplacer une personne qui va être tombée à son domicile, c'est pas du tout dans leur business model de gérer des personnes qui pourraient venir s'occuper de la personne, ça ils sauront jamais faire. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement gérer des robots qui seront dans le placard et bon. Donc voilà, je voulais juste pour initialiser, montrer qu'effectivement, cadrer, voir dans quel contexte nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans ces premières façons, ces premiers types de solutions qui sont celles qui ont été inventées par les GAFA, qui mettent à disposition les biens et les personnes sur les lieux de vie, et dont on voit que l'évolution est radicale et va à toute vitesse dans des directions. Et je vais laisser maintenant la parole pour le dire autrement, mais dans une direction qui va à la fois détruire le travail et l'homme. Alors si je voudrais quand même dire qu'effectivement, dans ce temps où on n'a pas des robots partout, pour le moment, ce que font les GAFA, c'est qu'ils font faire à ce qu'on appelle des travailleurs indépendants, donc ce mot vient de plus en plus à la bouche de tous, hein, ce sont des travailleurs indépendants qui mettent à disposition ces biens et ces personnes, des gens qui viennent sur les vélos vous apporter la nourriture, etc. Bon. Donc, si vous voulez, cette façon de travailler, qui est donc de faire en sorte que des travailleurs indépendants soient en charge de ces mises à disposition de biens et de personnes, montre ce que l'on voit, c'est que ça correspond à de petits boulots, c'est-à-dire à des gens qui sont en fait, d'accord, pas dans une relation de subordination comme ils l'étaient autrefois, mais en réalité dans une relation de très forte dépendance à ces donneurs d'affaires, à ces apporteurs d'affaires que sont les GAFA, qui au passage font remonter toute la valeur vers eux, parce qu'ils sont dans le rapport de force de le faire et que l'économie c'est quand même une histoire de rapport de force, et donc d'une part ils aspirent tout les données personnelles dont après ils font un usage en particulier pour promouvoir une intelligence artificielle dans le sens où ils veulent le faire et qui, lorsque le consommateur paye pour avoir ces mises à disposition de biens et de personnes, les GAFA en reprennent une très grosse partie. Hein, vous savez que, par exemple, quand vous payez un covoiturage, une grosse partie de ce que vous payez n'est pas pour celui qui l'organise, mais remonte à l'application qu'il a proposée. Donc voilà, je m'arrête là pour brosser juste ce tableau, et donc vous voyez qu'on est effectivement à la fois émerveillé par cette nouvelle façon de produire et très inquiet de la façon dont les choses pourraient se passer si ça se généralisait à l'ensemble de l'économie. Alors, Denis Jacquet, le mot ubérisation, puisque vous avez créé cet observatoire, vous avez écrit ce livre, et date d'il y a quelques années, je crois que le premier à l'avoir employé... C'est Maurice Lévy, le publicitaire, qui a dit « Nous sommes tous, si nous ne prenons pas garde, nous sommes tous en train de nous faire ubériser. »
Et alors, par là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'en gros, on peut voir arriver tout à coup un acteur nouveau, par exemple Hubert, pour reprendre ce nom, mais il y en a évidemment plein d'autres, c'est devenu une sorte de substantif, un acteur, une start-up, quelqu'un qui profite du contexte que vient de décrire Michel, et qui va venir bousculer des entrepreneurs ou des entreprises installées, traditionnelles, qui, elles, ont des emplois, ont des salariés, ont des coûts fixes, et ne sont pas à coût marginal nul. Qu'est-ce que cette ubérisation, finalement, pour vous, et jusqu'où est-ce qu'elle peut aller? Et jusqu'à quel point faut-il l'avoir aujourd'hui? C'est un terme assez négatif pour plein de raisons qu'on a expliquées. Et est-ce qu'on peut retourner finalement les choses d'une façon plus positive en disant c'est aussi une formidable opportunité pour réinventer de nouvelles activités? Écoutez, d'abord, je suis ravi, je crois que c'est la deuxième fois que je viens dans cette très très belle salle. Alors c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui elle est organisée de façon totalement différente. Sans vouloir vexer personne, il y a vraiment le monde des plus de 50, 45 en bas et le monde des moins de 25 en haut. Je ne sais pas ce qui s'est passé, une ségrégation d'âge. Voilà. Donc je pensais qu'il y avait Claire Chaud qui montait, maintenant je sais que les jeunes montent. Voilà. C'est la guerre des générations, non, mais c'est vrai, vous pouvez descendre. Donc, écoutez, on va vous déprimer un peu sur le début, puis ça, je pense, ça ira nettement mieux à la fin, donc accrochez-vous un peu, sautez pas du balcon, ça ira mieux dans la deuxième partie de l'exposé. Il y a plusieurs choses dont on peut se poser, puis du coup on va essayer de faire la synthèse aussi de ce qu'aurait pu vous dire Pascal Pic et Laurent Alexandre. Pascal mérite d'être un ami que je connais bien et qui est dans l'Observatoire de l'ubérisation, donc je sais en gros ce qu'il aurait pu vous dire, donc on va essayer quand même de ramener des choses. Et puis Laurent Alexandre, c'est quand même intéressant parce qu'en même temps il nous promet la fin de la mort, l'immortalité qu'on vit jusqu'à 1000 ans, et finalement quand un gars a 40 de fièvre, pour l'instant il reste au lit, donc on est encore très... très faillible et pas encore totalement cyborgisé, donc c'est rassurant aussi sur pour l'instant notre position d'homme encore relativement faible avant d'être des surhommes biométrisés et bio-ioniques totalement insubmersibles. La première chose qu'on peut vraiment se poser, mais ça depuis, et ça Pascal Pic vous le dirait très bien, mais qui est assez immémorial, mais aussi Yuval Harari que mentionnait Philippe, que j'ai eu la chance d'avoir cet été au téléphone, sur Sapiens et puis sur Homo Deus, c'est que finalement, en réalité, c'est assez immémorial tout ça. Il y a une espèce de quête qu'on ne comprend pas forcément très bien, parce qu'elle est menée toujours par un nombre assez limité de personnes, ou d'entreprises, ou d'entités. Il y a toujours une quête dont on ne sait pas par quoi elle est vraiment menée. Alors, il y a forcément une espèce de mouvement collectif, une dynamique qui devient un peu autonome et qui se crée, mais qui est toujours impactée par certains et par un nombre relativement limité. Et finalement, ce qu'on a pu connaître au travers des différents mouvements depuis qu'on était chasseurs-cueilleurs, donc il y a 12 ou 15 000 ans, a toujours été ponctué à peu près par la même chose. La première, c'est la constitution d'empire. Donc finalement, on parle beaucoup des GAFA, on parle des Chinois. C'est un empire digital, comme il y a eu un empire ottoman, un empire romain. On aime constituer des empires. La seule différence, c'est qu'avant, effectivement, ils se constituaient plutôt par la force et qu'aujourd'hui, ils se constituent par la soumission. Quand l'Europe, à 95%, est le seul continent au monde qui confie toutes ses recherches à Google à plus de 90%, excusez-moi de vous dire que vous êtes français, mais italien, anglais, allemand, soumis. Vous avez décidé que Google deviendrait puissant parce que vous lui donnez tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, chaque fois que vous en faites vos recherches. Alors que de façon tout à fait stupide et incroyable, on a un moteur de recherche qui est mieux, plus sympa et qui préserve les données personnelles, qui s'appelle Quant, qui est français et européen, et à qui on pourrait effectivement confier plus facilement nos recherches. Même aux États-Unis, Google n'a que 60% de part de marché. Donc je ne sais pas pourquoi l'Europe a décidé de tout confier à Google et commence à s'en plaindre. Plaignons-nous nous-mêmes. Donc la responsabilité du consommateur et les clés, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui drive tout ça? J'en sais rien. Il y a une espèce de folie sur la conquête du pouvoir, et je pense que quelque part, et Yuval Harari le rappelle très bien, l'homme a envie de devenir, c'est pas qu'il a envie de devenir un dieu, c'est qu'il a envie de le remplacer. Alors, je vous remets juste en perspective, à la moitié du 15e siècle, les Chinois avaient 95% du commerce mondial. Et tout à coup, les Européens ont commencé à douter des principes religieux, et du coup ont commencé à inventer, à donner de la valeur à la réalité scientifique, à commencer à s'exporter, à prendre des bateaux, conquérir de nouveaux horizons, et tout à coup on s'est aperçu que la Terre n'était pas plate, que peut-être l'homme n'avait pas été fabriqué en quelques jours, que peut-être le paradis n'existait pas,
et que tout à coup, ce que disait la religion n'était peut-être pas vrai. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane, aucune importance, hein, tout ça c'est juste des filiales ou des dérives, mais quelque part, on a décidé effectivement que tout ça devait être mis à bas et que finalement l'homme devenait tellement puissant que cette quête de pouvoir devait pousser toute l'humanité et supporter toute l'humanité. On veut remplacer Dieu et finalement dans cette volonté de faire une nouvelle forme d'homme, un homme augmenté dans un premier temps, une nouvelle race d'homme dans un second, c'est bien une volonté de pouvoir absolu, de damer le pion à quelqu'un qui nous embête un peu depuis quelques millénaires qu'on appelle Dieu sous différentes formes. On se dit, mais attendez, regardez, on va faire mieux. Bon. Donc, il y a cette volonté de pouvoir absolu et de remplacement de la religion qui me paraît extrêmement prégnant. Et on dit, on est capable de tout régler. Bon. Et c'est très amusant parce qu'en même temps qu'on essaye de tout régler, on a une capacité incroyable à tout détruire. Là aussi, Pascal Pic vous rappellerait qu'on a détruit les trois quarts de tout ce qui nous entourait depuis que le sapiens a commencé à ne plus devenir, a commencé à marcher, donc devenir un homo erectus. Il a commencé à décimer tout ce qui l'entourait. Regardez combien il reste maintenant, après quelques millions d'années, quelques dizaines de milliers d'années, des espèces autour de nous. Comptez-les, certaines se comptent en dizaines d'unités, donc ce n'est pas très facile. On a détruit tout ce qui nous entourait. On a détruit la planète, on a détruit l'air, on a détruit l'eau, on a détruit l'alimentation, tout ce qui nous portait à notre portée, au nom de ce pouvoir et de cette industrialisation, de ces révolutions et de cette consommation, et parfois par nécessité aussi, parce qu'il faut nourrir le plus grand monde, on a fini par générer des choses comme Monsanto, et aujourd'hui, on arrive difficilement à s'en dépêtrer. Donc ça, je pense qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des phases, et qu'il y a des phases où des choses peuvent disparaître. Il y a deux choses qui peuvent peut-être disparaître, j'en sais rien, moi j'ai pas de boule de cristal. La première, c'est manifestement, et il n'y a pas de Mélenchon qui sommeille en moi, hein, je suis vraiment capitaliste, entrepreneur et plutôt libéral, je pense qu'on est au bout de ce système capitaliste-là qui ne marche plus, qu'on tient par les cheveux, on l'arrache comme on peut, mais il ne fonctionne plus. Mais je viendrai tout à l'heure à la raison pour laquelle il ne fonctionne plus. Et de l'autre côté, effectivement, de savoir si... mécontent de l'imperfection de l'être humain, on n'a qu'une envie dans tout ça, c'est effectivement d'en créer un qui soit parfait. Bon. Donc, jusqu'ici, l'humanité, on avait plutôt un compte en banque positif, parce que dans les années 70, en gros, on avait encore de la croissance, on avait encore de la démographie, on avait encore des équilibres sociaux, on avait encore des gens qu'on sortait progressivement du seuil de pauvreté, le chômage n'existait pas ou peu, on était sur un compte créditeur. Donc en gros, l'humanité avait un compte en banque qui plutôt était bien fourni. Bon. Depuis ces 40 dernières années, regardez où on en est, il n'y a pas un équilibre social qui s'appelle un équilibre. Il y a aujourd'hui une masse de pays occidentaux qui vieillissent. J'ai rien contre les gens qui vieillissent, je vieillis comme tout le monde. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un monde occidental qui ne donne plus aucune valeur aux gens de plus de 55 ans, ce qui est juste une hérésie fondamentale, ben, on a effectivement des gens qui vivent de plus en plus nombreux et de plus en plus vieux et qu'on ne sait pas alimenter demain. Et de l'autre côté, des jeunes de basse qualification à qui on ne sait pas créer de l'emploi. Et donc, on veut faire reposer la totalité de la société occidentale sur les 28-45 ans. C'est une folie furieuse et ça ne marchera pas. Deuxième chose qui a changé depuis les années 70, il n'y avait pas un seul État occidental qui avait plus de 20 ou 30% d'endettement par rapport à son PIB. Sous le contrôle de Michel, qui connaît les chiffres mieux que moi, je dis peut-être des bêtises, mais il me corrigera. Aujourd'hui, chercher désespérément un pays occidental qui ne soit pas à 90, 95 ou même au-delà de 100% de son PIB. Nous ne vivons plus à crédit, notre compte n'est plus créditeur, il est à découvert. 2300 milliards, rien que pour la France. Bon. Et puis, troisième chose, regardez toutes les courbes. Il y en a deux, moi, qui me frigorifient, hein, et c'est pour ça que je vous parlais de dépression tout à l'heure, mais ouais, ça ira mieux, on a des solutions, pour la deuxième partie. La deuxième chose, c'est de voir à quel point et à quelle vitesse les classes moyennes, si tant est qu'on arrive à les définir, s'effondrent dans tous les pays occidentaux, et que l'écart de richesse s'accroît un peu plus chaque jour. Donc oui, il y a de plus en plus de riches, mais il y a aussi de plus en plus de pauvres, et surtout, il y a un écart monumental entre les deux, qui avant était... à peu près colmatées par les populations moyennes, qui elles-mêmes se rétrécissent. Donc, du coup, une population vieillissante, qu'on n'a plus les moyens d'entretenir, une population jeune, peu qualifiée, qui n'accédera pas à l'emploi, parce qu'il n'y aura plus d'emplois industriels et d'emplois de masse tels qu'on les connaissait,
des pays totalement endettés, et la dernière courbe, c'est l'absence de productivité, et tenez-vous bien, y compris dans les pays les plus robotisés. Donc on regarde les pays robotisés, on se dit, waouh, ils doivent être au top de la productivité, c'est ça qu'il faut sauver, etc. On les regarde, ils n'arrivent plus à augmenter la productivité. Donc ça veut dire que, outre le fait, on pourra en parler, qu'il faut certainement réinventer les indicateurs économiques, revoir ce qu'on mesure et comment on le mesure, on est véritablement rentré dans une période où ce capitalisme-là ne marche plus. Et pourquoi il ne marche plus? Et on le voit bien avec les GAFA. Les GAFA, ça représente aux États-Unis 76% de la capitalisation boursière américaine. Ça veut dire qu'on fait tenir l'économie américaine et les survalorisations qui s'empilent les unes aux autres pour que des investisseurs dans une espèce de système madoffien géant institutionnalisé, on a mis Madoff en prison, on est juste en train de faire exactement la même chose à l'échelle de tous les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on bâtit une pyramide de Ponzi dans laquelle finalement une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires ou très peu est capable d'être valorisée à 20 ou 30 milliards de dollars. Une boîte dont l'objectif n'est jamais de gagner de l'argent est valorisée à 67 milliards de dollars comme Uber pour le moment. Et en fait, il faut toujours trouver un investisseur qui réinvestisse dans celui d'après pour que celui d'avant fasse une plus-value. Et comme c'est principalement des caisses de retraite, des pension funds, ça leur permet de faire des chèques aux retraités tous les mois parce que sinon le système explose. Bon. Donc ce système capitaliste-là qui pense que la technologie peut tout réparer, que l'avenir se chargera de régler les problèmes du passé et qu'il faut faire confiance au système dans un système où on finit par privilégier tout ce qu'on, moi, on m'a pas appris dans mon école de commerce, c'est-à-dire des boîtes dont l'objectif n'est pas de gagner de l'argent. Bon. Ça marche un temps. Mais ça ne peut pas marcher très longtemps. Donc, parce qu'au bout d'un moment, voilà, une fois qu'on a fait une armée de cocus, il n'en reste plus beaucoup pour investir dans la survaleur de celle d'après. Donc moi, ce qui m'inquiète dans ce système, et je finirai par là, c'est que quel est le but de tout ça? Et moi, je n'arrive pas à voir. C'est-à-dire, on pourrait se dire, c'est peut-être de bâtir une nouvelle utopie. Pour qu'il y ait une utopie, il faut qu'il y ait une vision. Alors, déjà, pour qu'il y ait une vision, comme on est encore gouverné par les politiques pendant quelques années, avant que les GAFA les remplacent, c'est effectivement, il faudrait qu'il y ait une vision politique. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un homme avec une vision, une femme politique avec une vision en France ou ailleurs. Moi, je n'en ai pas encore rencontré, je serais ravi que vous me le présentiez. Il n'y a pas de vision. Bon. Donc, parce que personne ne se pose la question du pourquoi. Tant qu'on se posera la question du quoi, ce que font les algorithmes, et du comment, ce que font tous les start-upers de la Terre, on n'avancera pas. La deuxième chose, c'est pour être l'objectif, ça pourrait être le bonheur. Et pour être heureux, il faut avoir confiance. Et la confiance suppose effectivement de croire dans le lendemain. Vous ne pouvez pas être heureux si vous pensez que demain sera moins bien qu'hier. Et la traduction politique de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est que les gens ont commencé à attribuer plus de vertus au passé qu'au futur. Et donc qui votent unanimement et de plus en plus fortement, pour l'instant pour des gens encore à peu près acceptables. On peut discuter sur le fait que Trump soit acceptable ou pas, mais moi je ne suis pas très inquiet de Trump. Ce qui m'inquiète plus, c'est les mouvements néo-nazis allemands, c'est l'arrivée de mouvements néo-nazis en Autriche, c'est le Brexit, qui prouve que les gens ont dit non, il n'y a plus de place pour nous dans le futur, on ne croit pas ce que vous nous racontez, revenons au passé, ça marchait mieux. Et donc, à partir du moment où vous pouvez vendre ni du bonheur ni de l'utopie, qu'est-ce qu'on va inventer? Donc, ça signifie pour moi que le moment est venu de poser la question du pourquoi. Et ensuite, on se posera la question, ce qu'on finira par faire tout à l'heure, du comment, c'est-à-dire quelles sont les solutions, mais il faut d'abord une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Alors, qu'est-ce que veulent faire les Chinois et les Américains? Et je conclue par ça. Aujourd'hui, dans un pays qui n'a plus de réserve de croissance et de démographie, la seule chose qui reste, c'est la domination mondiale. Soit vous serez le dominateur mondial, soit vous n'aurez rien. Pour l'instant, en France, on n'aura rien. Je vous rassure, l'Europe, on n'aura rien non plus. Il n'y a pas un champion du digital mondial en Europe. Ça n'existe pas. On n'a pas de Facebook, on n'a pas d'Alibaba, on n'a pas de Google, on n'a pas de Tencent, on n'a pas de Baidu, on n'a pas d'Amazon, on n'a rien. On a ce qu'on adore en France, on a des start-up. Comme c'est mignon, la petite start-up, on la caresse, on lui donne un petit peu d'argent et puis elle meurt. Oh, bah, c'est pas grave, il y en aura une autre, on va faire des incubateurs partout. On s'en tape des start-up. Ce dont on a besoin, véritablement, même si j'en finance et que je suis ravi de les financer, ce qu'on a besoin, c'est des start-up qui deviennent mondiales. C'est des start-up qui deviennent des géants. C'est des start-up qui donnent à l'Europe la capacité de proposer un modèle économique, humain et social différent, mais économiquement pérenne.
C'est ça dont on a besoin. Donc évidemment, pour réussir à avoir des géants, il faut d'abord avoir des start-up. Mais chez nous, la start-up, c'est une fin en soi. Qui n'a pas sa start-up dans telle région, dans telle entreprise? Ils ont tous des incubateurs, des start-up. Ça produit quoi? Rien. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas les moyens de devenir des géants. Parce qu'une fois qu'elles commencent à marchoter vaguement, les grands groupes les achètent et les font disparaître. Et puis parce que quand une fois sur 100 en France, elles réussissent, bah, elles s'aperçoivent bien qu'à un moment, le seul marché valide, c'est celui des États-Unis, et elles partent aux États-Unis. De la même façon que les Israéliens, qui est certainement le plus beau centre de recherche et d'innovation qui existe sur cette planète, partent tous systématiquement aux États-Unis, parce qu'avec un marché de 6,5 millions d'habitants, vous ne restez pas à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc, et la volonté des Chinois, et à chaque fois je me fais plein d'ennemis, les Chinois n'aiment pas les autres. Une fois qu'on a compris ça, vous prenez un grand philosophe qui s'appelle Coluche, vous dites quand vous mélangez le jaune et le blanc, il reste du jaune. Voilà. Et donc, le parti pris des Chinois, il est très simple, c'est des gens qui ne supportent pas d'autres que les Chinois, qui ont une culture dans leur histoire qui a été centripète une seule fois, et là on vit la deuxième, et qui ont décidé qu'ils allaient conquérir le monde. Aucune empathie, aucun intérêt pour l'être humain, aucun espèce d'état d'âme, pas de philosophie, Pas de reconnaissance Denis, de la valeur de l'être humain. On peut-être pas tomber dans la caricature. On n'est pas très loin. Institutionnellement, non, je ne dis pas individuellement. Part, là, si je puis me permettre, oui, je ne voudrais pas que ce débat tombe dans. Non, mais c'est malheureusement la réalité. Donc, d'un côté, on a les GAFA qui veulent dominer le monde et qui arrivent très bien parce que nous utilisons tous, vous et moi, leurs applications. Et de l'autre côté, vous avez les Chinois qui, par nécessité, ont besoin de conquérir le monde, mais ont effectivement une approche du monde qui est, en termes de valeur, complètement à l'opposé des nôtres. Donc c'est à nous, maintenant, très rapidement, on a 4 ou 5 ans pour le faire, d'inventer un système différent et de proposer autre chose. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Chinois très bien, hein, j'en connais. Mais institutionnellement, la façon dont l'État chinois est organisé, c'est un État qui n'a aucun état d'âme, aucun respect, qui ne respecte rien. Donc ça signifie que, et on n'a pas les moyens de lutter. Je vous rappelle quand même que, et je finis vraiment par ça, grâce à un délire politique sur le pouvoir d'achat pendant 30 ans, on a laissé faire la grande distribution française. Bon. Et cette grande distribution nous a promis des prix toujours plus bas, en oubliant de nous rappeler au passage qu'un prix plus bas au bout d'un moment, c'est un emploi qui quitte la France. Et donc c'est un chômage de masse ensuite, parce qu'au bout d'un moment, un t-shirt à 1 euro, on ne sait pas le produire. Par contre, un gamin au Bangladesh de 5 ou 8 ans ou 12 ans sait le produire. Donc on nous a vendu du pouvoir d'achat, on a récolté du chômage et des délocalisations. Et on est en train de faire exactement la même chose avec le digital aujourd'hui. Donc il faut effectivement, un, sortir de la culture du prix bas, deux, inventer un modèle social totalement différent qui soit conforme à nos valeurs et qui nous permette d'avoir une place, et vraisemblablement dans les solutions, associer l'Europe et l'Afrique, qui associées, parce que très complémentaires, pourraient donner effectivement à nos deux continents une prédominance incroyable en termes économiques et en termes digital, avec des valeurs fondamentalement différentes. Donc voilà un petit peu l'enjeu tel que moi je le vois aujourd'hui, en tout cas tel qu'on le voit un peu à l'Observatoire de l'Ubérisation. D'accord, merci Denis. Alors Michel, peut-être vous vouliez réagir sur un des points. Oui. Vous applaudirez à la fin, laissez nous finir. C'était pas pour les Chinois, hein, j'espère. Michel, vous vouliez réagir sur un point, et puis je voudrais ensuite qu'on passe à la partie. Bon, le constat, on le voit bien, on pourrait tous être très sombres, se dire effectivement si l'avenir, c'est on peut offrir qu'aux jeunes, y compris très diplômés, la possibilité d'aller livrer, faire des livraisons en vélo, c'est pas vraiment ça qu'on cherche à faire. Il faut arriver à avoir un nouvel équilibre finalement, et quel type de solution, notamment nous en Europe. Là, je rejoins ce que dit Denis, je pense que c'est assez vrai. Il y a sans doute un modèle européen qui n'est pas ni le modèle américain de la Californie, ni le modèle chinois. Et c'est clair que dans un monde, je pense que ce que Denis a bien décrit, c'est qu'il y a une vraie guerre, une guerre de domination. Les Chinois ont dit « celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde ». Donc il faut que nous, on ait une réponse. Allez-y. Oui, juste ce que je voulais effectivement repréciser, c'est que ce qui est en train de se passer avec les GAFA, c'est qu'ils mettent à bas la capacité qu'on avait eue avec le paradigme précédent de l'industrie de la mécanique, qui consistait à trouver par le travail le moyen de répartir la richesse.
C'est-à-dire qu'on avait un outil merveilleux pour la première fois qui permettait d'avoir ce qu'on appelle une répartition primaire, c'est-à-dire chacun pouvait gagner par son travail de quoi vivre. Voilà. Et évidemment, sur une telle situation, on avait pu construire une répartition secondaire, c'est-à-dire une solidarité entre des gens qui déjà eux-mêmes arrivaient à vivre par leurs propres moyens. On avait pu construire une répartition qui permettait d'avoir des services sociaux et tous ces services publics et sociaux dont on a parlé. Ce nouveau paradigme que j'ai essayé de brosser tout à l'heure et dont tu as essayé de parler un peu différemment, tue cette capacité de donner à chacun ce travail. Parce que, comme on l'a essayé de le montrer, le travail, il est en bout de chaîne sur des travailleurs indépendants qui ne sont pas dans la capacité de récupérer une partie suffisante de la richesse parce qu'ils ne sont pas dans le rapport de force de pouvoir la négocier. En plus, ils ne sont pas même dans le rapport de force de pouvoir créer des chaînes de production productives, on y reviendra tout à l'heure. Et je voudrais revenir l'illustrer avec ce qui a été dit sur les gains de productivité qu'on ne voit pas. Ce débat sur les gains de productivité, c'est très important de comprendre que c'est en moyenne sur l'économie que les gains de productivité ne sont pas là. Mais aux États-Unis, par exemple, une toute petite fraction de la population a des gains de productivité de plus de 10%. Donc les gains de productivité sont considérables pour certains. Le problème, c'est que pour tous les autres, ils sont nuls, voire négatifs. Voilà. Et donc on ne construit pas une démocratie sur un tel paradigme. Voilà. Et pourtant, ce paradigme est en train de faire son chemin. Et donc on en revient toujours au problème. Comment on fait pour ralentir, gérer, domestiquer cette évolution si on ne la trouve pas pertinente ? Beaucoup de réactions qui trouvent que notre débat est très négatif, que on est en train de finalement donner envie à tout le monde de se pendre, voilà exactement, et donc il faudrait essayer d'avoir une approche un peu plus peut-être constructive. Alors c'est peut-être, on voulait y venir, on voulait faire d'abord le constat qu'il y a une réalité, après la mondialisation qui a provoqué une première désindustrialisation, on a aujourd'hui les nouvelles technologies, qui provoque un nouveau choc économique qu'on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Je vais donner un exemple. Prenez des groupes comme Carrefour, le grand palais de la distribution, vous avez 200-300 000 salariés. Vous prenez Amazon, vous avez 20 000 salariés. Vous avez un écart de capitalisation boursière entre Carrefour et Amazon qui fait que la puissance, on sait où elle est et on sait qui va gagner. On entend même dire qu'Amazon pourrait racheter Carrefour. Et on s'interroge pour les gens qui travaillent chez Carrefour, savoir s'ils vont avoir le même sort que ce qui se passe chez Amazon. Donc il y a quand même un vrai sujet qui est aujourd'hui comment est-ce qu'on rétablit un équilibre ? Est-ce qu'on peut proposer des alternatives finalement à cette évolution qui pourrait sembler, c'est-à-dire que la destruction créatrice, elle détruit, elle ne crée pas. Vous proposez, Michel, de dire dans la course de vitesse, puisqu'on a encore un peu de temps avant que les robots viennent nous piquer tous nos emplois, il faut qu'on essaye d'inventer cette nouvelle économie dite quaternaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un nouveau modèle coopératif qui permette de faire en sorte qu'on retrouve l'équilibre en matière d'emploi. Est-ce que vous pourriez essayer d'exposer ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi cette révolution du quaternaire ? À qui elle s'adresse ? On parle notamment de l'économie, ce qu'on appelle la silver economy, c'est une économie de services. Comment est-ce qu'on pourrait la mettre en place et à quelles conditions ? Je sais que vous travaillez par exemple avec la Poste, avec des grands assureurs, avec des gens qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est la prévoyance. Ce sont des nouveaux métiers qui pourraient apparaître et qui sont simplement, il faut structurer cette offre avant que ce ne soit fait par d'autres. C'est dommage effectivement que vous soyez triste, mais je pense quand même que la situation est grave. Donc personne ne le dit. Donc, si vous voulez, ce n'est que quand on a touché le fond de la piscine qu'on remonte. Donc, touchons-le et remontons. Le problème aujourd'hui, c'est que des gens qui cherchent des solutions, je les cherche, mais je ne les trouve pas. Donc, et quand on essaie de les donner, on ne vous écoute pas. Donc, il faut que le citoyen de base
soit fasse son idée. Après, bon, vous pouvez trouver que c'est très bien que ça parte dans cette direction et laisser faire. Mais je pense qu'il faut pouvoir donner à chacun l'information nécessaire pour que chacun puisse dire « mais je veux des solutions, trouvez-moi des solutions, ceci ne va pas. Je paie des gens pour réfléchir, je n'en ai pas pour mon argent ». Bon, donc ceci c'était juste pour réagir à votre détresse que je comprends parfaitement, mais encore une fois, je pense qu'elle est positive. Elle est positive. Nous devons avoir conscience de l'urgence et de la dégradation de la situation, parce que personne ne vous le dira. Parce qu'un politique, il ne peut pas dire qu'il a des problèmes s'il n'a pas de solution. Il ne peut pas. Il va mettre son public. Vous voyez, regardez Hamon qui a dit il n'y aura plus d'emplois. Il n'y aura plus d'emplois, il faut faire un revenu universel. Oui, mais avec quoi? Ça va coûter 200 milliards, etc. Donc on voit bien, tant qu'on n'a pas de solution, on ne peut pas parler de la gravité du problème. Voilà. Donc le politique ne peut pas en parler, mais le citoyen, lui, doit en être conscient, de façon à dire au politique, je veux qu'on réfléchisse à des solutions. N'y a-t-il pas d'autre solution que d'attendre les bras croisés? Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'essayais de faire et c'est ce que je vais... Parlez-nous de vos solutions, après on va y revenir. Donc j'y viens. Voilà. Alors, ce que j'observe simplement, c'est que toutes les entreprises de services, toutes, qui sont menacées par l'ubérisation, sont en train de chercher des solutions qui sont effectivement des solutions, comme ces nouveaux produits dont je vous ai parlé, des mises à disposition de biens et de personnes sur les lieux de vie, et non plus des services dans des lieux dédiés ou de la vente de biens. Donc ils sont en train de s'organiser pour faire ces solutions. Simplement, c'est des solutions d'un tout autre type que ceux des GAFA, c'est-à-dire qu'eux, ils vont gérer les biens et les personnes. Pour illustrer le propos, prenez Autolib ou le covoiturage et l'autopartage. Ce sont deux types de solutions que sans doute vous mélangez. D'ailleurs, vous pensez, je ne sais pas si vous pensez que c'est des services ou pas, enfin peu importe, vous avez ça dans votre tête, il y a du covoiturage, d'autopartage, tout ça c'est pareil, c'est de la nouvelle économie. Bon, en réalité, ce sont des solutions dans les deux cas, puisque ce sont des mises à disposition de voitures sur les lieux de vie. Dans un cas, c'est du coût marginal nul, c'est-à-dire l'application qui vous organise la mise à disposition de la voiture délègue à un travailleur indépendant qui conduit sa voiture, etc., le fait de mettre à disposition dans la voiture. Dans l'autre cas, prenez par exemple Autolib à Paris, c'est M. Bolloré, hein, donc une vraie entreprise qui achète les voitures à votre place et qui embauche des salariés pour les entretenir, les déplacer, les laver, etc. D'accord ? Donc il faut bien avoir conscience qu'il y a deux façons très différentes d'utiliser le numérique pour fabriquer ces nouveaux produits que sont ces mises à disposition temporaires de biens et de personnes sur les lieux de vie. Bon, donc ce que je vous disais, c'est que j'observe que toutes les entreprises de services sont en train d'essayer de faire ce que j'appelle des solutions quaternaires, c'est-à-dire des solutions dans lesquelles l'entrepreneur achète des biens qu'il vous met à disposition et embauche des personnes pour prendre soin de vous et des biens qu'il met à votre disposition. Seulement, vous pouvez bien comprendre que ce modèle est un modèle beaucoup plus compliqué que celui dans lequel on ne gère pas les coûts dits variables, c'est-à-dire le coût de la matière et des personnes. Donc, c'est pour ça que Autolib n'est pas rentable pour cet exemple. Et donc, le covoiturage est, comme on l'a vu, extrêmement rentable. L'autopartage ne l'est pas du tout. D'accord ? Mais ça, on a l'habitude, si vous voulez, Monsieur Ford, quand il a commencé à faire une industrie avec des coûts fixes et des coûts variables, c'est-à-dire ces industries sophistiquées dans lesquelles on a non seulement du coût fixe, mais après des gens et de la matière qu'il faut à chaque fois financer, alors que dans du coût marginal nul, il n'y a pas de coût variable, il n'y a que du coût fixe que vous partagez de plus en plus, eh bien, lorsqu'il faut organiser ça, ça met 50 ans. Si vous laissez faire le marché, ça met 50 ans. Pourquoi ? Ben parce que quand M. Ford, ce qu'il fallait qu'il fasse au début, il s'est dit, ben, je suis tout seul, donc je me fais mon électricité, mon chemin de fer, mes moteurs, mes roues, mes rétroviseurs, il faisait tout. Bon, or, évidemment, aujourd'hui, quand vous regardez un constructeur auto, qu'est-ce qu'il fait ? Il dessine la voiture. Il ne fait rien. Il utilise des pièces, des réseaux d'abord, des réseaux de chemin de fer, d'électricité, etc., partagés par
tout producteur et tout consommateur. Vous vous rendez compte, tout producteur et tout consommateur. Voilà. Et des machines qui sont faites par d'autres industriels spécialisés dans ces machines, normalisées pour pouvoir emboîter tout ça, etc. Donc, quand on y réfléchit, il ne faut pas s'étonner que les pauvres industriels qui sont en train, ou ces entreprises de services qui veulent devenir des nouveaux industriels de cette nouvelle économie de solutions quaternaires, ils ont un mal de chien. C'est-à-dire qu'ils se battent comme M. Ford, chacun dans leur coin, ils réinventent l'eau tiède, et ça ne marche pas. Voilà. Pourtant, Autolib, tout le monde ovationne. Simplement, on ne va pas pouvoir, comme ça, pendant 50 ans, continuer à faire subventionner par la ville de Paris et toutes les communes avoisinantes, et par M. Bolloré, une partie des pertes, sans compter que pendant ce temps, les GAFA vont avancer à pas de géant et vont nous mettre des voitures autonomes où il n'y aura plus personne et la messe sera dite. Donc, on voit bien que nous sommes à la croisée des chemins, c'est-à-dire il faut réfléchir à la façon de structurer cette nouvelle néo-économie des solutions quaternaires, c'est-à-dire celle dans laquelle on fera gérer par des entreprises et donc efficacement la mise à disposition des biens et des personnes. Alors, et vous voyez que là, on complète et on contrecarre la puissance des GAFA par quelque chose qui est une véritable économie complémentaire, et après c'est au consommateur de choisir. C'est-à-dire, si le consommateur ne veut que des solutions des GAFA, on n'a plus rien à dire, c'est la démocratie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que le consommateur ne veut pas que ça. Simplement, le reste n'existe pas, parce que ce n'est pas, enfin il existe un tout petit peu, mais ça ne peut pas se développer, non, parce que ce n'est pas rentable. Il y a quand même, alors peut-être pour continuer, voilà, le débat et suivre un peu les questions qui sont posées, par exemple, quelqu'un qui dit le covoiturage, appelons un chat un chat, si on fait du travail au loin, on est légalisé par la nouvelle économie, la question de la concurrence est posée, il y aura des questions sur la blockchain, on y reviendra après, mais le fait que finalement les gens s'interrogent sur le rôle des régulations qu'on peut mettre en place, alors je voudrais me tourner vers Denis là-dessus, et peut-être Michel, sur ce point, parce que c'est vrai que les gens s'interrogent, si tout le travail devient indépendant et qu'il n'y a plus de sécurité sociale et que les gens se retrouvent finalement on est en train de réinventer un nouveau servage d'une certaine façon. Enfin, c'est une économie quasiment esclavagiste qui se met en place si on suit cette pente. Or, il y a quand même des réponses sur l'ubérisation. Prenons Uber, il y a des villes qui ont commencé qui envisagent d'interdire Uber. Alors ça ne veut pas dire qu'ils interdisent le covoiturage, ça veut dire qu'ils régulent, c'est-à-dire qu'ils disent Uber ne peut pas choisir les chauffeurs sans fixer un certain nombre de règles de sécurité, de recrutement, de formation, etc. Deuxièmement, et ça s'est passé en Californie, même pas en France, il y a des chauffeurs qui ont demandé la requalification de leur contrat en contrat de travail. C'est une question qui aujourd'hui est toujours pendante, elle n'est pas encore complètement jugée, savoir si un salarié soi-disant indépendant en réalité ne devrait pas être qualifié comme un vrai salarié, ou en tout cas se pose la question de son statut à terme. C'est valable aussi pour les Deliveroo, etc., les questions d'accident, les gens qui peuvent... Il y a un syndicat des cyclistes qui font des livraisons à vélo, parce qu'il y a des accidents du travail qui ne sont pas pris en compte. S'ils se cassent la figure en vélo, le jeune qui est étudiant, il y en a beaucoup qui connaît, peut-être il y en a dans la salle qui le font, il n'a aucune protection, même pas son assurance civile, parce qu'en fait, il travaille. Donc, il y a ce type de questions. Il y a effectivement la question fiscale qui est en train de prendre de plus en plus d'importance. C'est-à-dire, il y a le fait que certains nombres de ces acteurs, ça on le voit, échappent à l'impôt parce qu'ils ont mis en place des systèmes d'optimisation. Je dirais que ça, c'est un autre débat. Mais déjà, le simple débat qu'ils ne respectent pas un certain nombre des règles fiscales légales dans les pays où ils exercent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, avant même de se poser la question de est-ce qu'on peut gagner cette bataille, simplement des régulations naturelles qui peuvent se mettre en place. Je n'ai pas cité Airbnb, avant c'était 100% libéral, il y a des villes qui réduisent à 60 jours maintenant par an la possibilité de faire des locations, parce que ça a un effet, on l'a bien vu, sur la hausse des prix de l'immobilier dans certains quartiers, le Marais à Paris, à Lyon, je ne sais pas. Donc peut-être, Denis, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une action, finalement, une contre-réaction des régulateurs qui peut permettre de freiner et redonner du temps aux acteurs traditionnels? Alors, il y a un truc que Pascal Pic avait dit un jour qui m'avait bien plu dans une conférence, il a dit, là où on est très prétentieux dans toutes les prévisions qu'on peut faire, parce que c'est très difficile de faire des prévisions, c'est que tout ce qui change vraiment, on ne le voit pas. C'est-à-dire que dans une révolution anthropologique, en gros, le facteur, c'est le temps.
Et finalement, tout ce que vous ne voyez pas et qui met énormément de temps à changer, avec toutes les interactions qui sont impliquées, ne se révèle qu'en centaines, en milliers. Alors, si on estime que le temps passe plus vite maintenant, puisqu'on nous a dit que le temps s'accélérait. Je ne sais pas si vous avez la sensation que vos 24 heures passent plus vite qu'avant, mais j'ai toujours l'impression que 24 heures durent 24 heures, mais le temps s'accélère. Effectivement, les choses arrivent plus vite et les transformations se font plus rapidement. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qui change, on ne sait pas l'impact que ça aura et quand ça l'aura et quand ça se révélera. Et en fait, quand les grands singes ont commencé à voir la couleur, puisqu'au début, ils voyaient en noir et blanc, ils ont commencé à choisir des fruits pour leur niveau de maturité et leur couleur. Sur le coup, personne n'a rien vu. Ils ont commencé à manger ces fruits. Bon, ils ont mangé, sélectionné naturellement. Plus ils étaient du coup plus mûrs, plus sucrés, ce qui a transformé progressivement l'alimentation, le besoin en sucre, donc du coup la régulation, a arraché certains et pas d'autres. Du coup, il y a eu des bactéries qui se sont développées sur des arbres qui n'existaient pas avant. Donc du coup, les petits singes commençaient à manger des trucs qui devenaient pollués par des bactéries produites par l'arbre. Bref, quelques centaines ou milliers d'années plus tard, on avait totalement transformé la végétation, la typologie de fruits et les cultures parce qu'à un moment donné, le grand singe a vu en couleur. Et ça a pris des milliers d'années. Donc en fait, quand on regarde aujourd'hui du Twitter, du Facebook, du Google, de l'Amazon, l'arrivée de cette population d'indépendance, que ça va véritablement changer dans la société, c'est peut-être pas dans 1000 ans qu'on le verra, mais c'est vraisemblablement dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc en réalité, on ne sait pas la cascade d'interactions qu'on est en train de créer et ce que ça va faire. Donc il faut rester très modeste par rapport aux prévisions. Moi, ce que j'observe, c'est deux choses. Facile d'observer. Bon. On va passer aux solutions aussi. La première chose, c'est que si j'étais aujourd'hui d'origine maghrébine, que je vivais en banlieue parisienne et qu'on m'a dit que je ne trouverais jamais un job, Uber m'a fourni une activité. Elle est parfaite ? Non. Elle est idéale ? Non. Elle est bien payée ? Non. Mais à un moment donné, dans des choix de société, il faut savoir si on préfère avoir des gens en dérive jusqu'à des dérives extrêmes ou si on préfère avoir des gens en activité, même une activité imparfaite. Même débat pour l'intelligence artificielle et l'automatisation. Est-ce qu'il est plus pénible d'avoir un emploi pénible ou de ne plus en avoir du tout ? Une vraie question à se poser. Bon. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, tout le monde crie à la paupérisation par cette économie. Je suis désolé. Mais regardez les chiffres du chômage. La paupérisation, elle est venue par l'ancienne économie. Les esclavages modernes, toutes ces expressions-là, excusez-moi, mais regardez juste où en sont les écarts de richesse, les seuils de pauvreté. 65 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, rien qu'aux États-Unis. 12 millions de personnes depuis 2008 qui ont cessé de chercher un emploi. On nous dit que les États-Unis sont plein emploi, mais rajoutez ces 12 millions, vous êtes à 7% de chômage. Bon. Donc, la paupérisation et l'esclavage, d'abord, il a existé depuis tous les temps. Et pour l'instant, la paupérisation extrême, elle est le fruit de l'économie actuelle et non pas de l'économie nouvelle. Ce qu'elle nous propose, c'est un nouveau modèle. Alors, dans les solutions, moi, j'en vois deux. La première, c'est d'abord, laissons faire un peu. Quand je vois que la première réaction, c'est d'interdire Uber Pop et de mettre Hitch en correctionnel, je dis, donnons-nous peut-être une ou deux années pour voir comment ça marche. Et si vraiment c'est une cata, on arrête. Mais peut-être qu'on est en train d'arriver à un moment, puisqu'on ne sait plus créer d'emploi, peut-être qu'on a une capacité à se poser la question de savoir est-ce que l'économie demain, justement, c'est une économie entre les individus. Et là, quand vous commencez à dire ça dans certains cénacles, effectivement, on vous dit, mais oulala, mais ils échappent à l'impôt, ils échappent aux charges sociales, à nos magnifiques syndicats brillantissimes et à notre dialogue social. Ils ne vont jamais aller au paradis sans ce bonheur absolu d'avoir les syndicats patronaux et salariaux dans un truc. La réalité, c'est que dans un monde qui, pour l'instant, parie sur l'absence d'emploi ou la destruction d'emploi, il faut commencer à se poser la question de savoir comment on va collaborer entre nous. Et donc cette économie de collaboration entre les individus, en dehors effectivement d'un cadre fiscal classique, en dehors d'un cadre salarial classique, est une économie qu'on doit réfléchir, accompagner pour voir comment ça se passe. Et il est clair que pour celui qui avait commencé à rentrer dans l'économie des VTC avant les attentats terroristes, notamment à Paris et dans quelques grandes villes, il était à 6 à 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est-à-dire à peu près 2 300 euros dans sa poche nette. Alors évidemment, pas de chômage, pas de couverture sociale, ou très faible, celle des indépendants. Mais imaginez,
Vous êtes marocain, algérien d'origine, vous vivez à Bobigny et vous êtes tout à coup un job en ville, dans une voiture neuve, propre et qui vous rapporte 2300 net. Je vous rappelle juste que le salaire moyen des Français est à 2150 euros. Ce n'est pas totalement ridicule de se dire qu'il faut peut-être observer un peu ce qui se passe avant de le détruire. Bon. Donc toutes ces villes qui interdisent, etc. Vous savez, Léopold Sédar Senghor disait « De toute façon, on n'arrête pas le sable qu'on a entre les mains. » Il continue par couler. Donc on peut effectivement freiner, mais il faut observer avant. Bon. Donc on s'est souvent interdit cette observation. Itch en correctionnel, je le rappelle, une boîte française, technologique, où des jeunes ramenaient des jeunes chez eux, que les taxis ne veulent de toute façon plus rentrer. On l'a mis en correctionnel. 300 parties civiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu plus d'acharnement comme une boîte technologique française d'1,5 million d'euros que contre Monsanto au niveau de l'Europe. C'est quand même une aberration totalement. Donc, il faut qu'on réfléchisse à une économie entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est la bonne nouvelle, puisqu'il faut être positif, c'est que moi, je rêve d'une économie qui enfin réintègre tout le monde. Alors, j'aimerais rappeler à ceux qui sont au premier étage, qui sont un peu plus jeunes que nous, que l'économie de l'Internet aujourd'hui, elle est payée par la carte bleue des plus de 55 ans. C'est les plus gros consommateurs sur Internet. C'est eux qui font tourner Internet aujourd'hui. Non, ce n'est pas les moins de 25. Les moins de 25, ils créent des start-up. Et 40% des start-upeurs américains, vous savez quel âge ils ont ? 50 ans. Non. 40% des start-up créées aux États-Unis le sont par des gens de 50 ans. Donc la première urgence, c'est une collaboration entre nous, avec des modèles économiques différents, qui effectivement seront peut-être plus des gens directement formés avec un diplôme, donc normalisés, qui sont peut-être plus des gens qui avaient été prévus pour ça, Blablacar, les VTC, etc. Mais à un moment donné, on peut réguler, comme disait Philippe, on peut accompagner, mais il faut d'abord voir comment ça marche. Si ça rend un service, que c'est bien fait, bon. Et regardez dans ce pays, moi j'adore Blablacar, Frédéric, ça fait 10 ans qu'on le connaît, hein, qu'il a commencé ce covoiturage. Aujourd'hui, Blablacar, tout le monde l'encense. Et dans le même temps, on interdit Uberpop parce qu'on dit « Ouais, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas sécurisés, on ne connaît pas leur voiture. » Mais vous connaissez, vous, la voiture dans laquelle monte votre enfant dans Blablacar et avec laquelle il va faire 500 km ? Qui est-ce qui vous dit que le type, il n'a pas siroté 3 pastis avant de prendre la route, qu'il n'a pas une réserve de chiche dans son coffre et qu'il ne va pas s'endormir au bout du 300e kilomètre ? On n'en sait rien. Donc pourquoi est-ce que Hitch et Uberpop, c'est moins bien que Blablacar ? J'ai toujours pas compris. Bon. Donc ça veut dire qu'il va falloir inventer cette économie. Si on ne sait pas créer directement des emplois, on peut créer de l'activité. Et moi, le type qui a monté les voitures noires, vous savez, ces voitures qui sont louées au VTC, qui est un kabyle d'origine, une très belle expression, il disait « ces jeunes ne trouvaient pas de patron, ils ont trouvé un client bon. ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, et là j'en viens à la deuxième chose très positive, c'est que la responsabilité, vous savez où elle est ? Pas à l'État, pas aux entreprises, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la nôtre, c'est la responsabilité du consommateur. Si vous voulez avoir une économie pérenne qui marche, c'est à vous d'en décider. Je vous donne deux exemples. Vous dites, waouh, c'est super, je me suis abonné à Amazon Premium, maintenant je reçois tout pour un abonnement mensuel. Alors, ce qui est extraordinaire en marketing, hein, mais moi je me souviens de mes souvenirs d'école de commerce, c'est qu'avec le marketing, l'idée c'est de vous faire croire qu'un service, vous en avez vraiment besoin, alors qu'en réalité, la plupart du temps, vous pouvez très bien vous en passer. Mais c'est la beauté du marketing. Et à un moment donné, on vous a dit, on va tout vous livrer en moins de 2 heures. Et les gens ont quand même cru que c'était intéressant de se faire livrer en moins de 2 heures. C'est-à-dire, réfléchissez un peu. Vous partez le matin au boulot à 8h30, je ne sais pas à quelle heure vous partez, 7h maintenant. Enfin, pour ceux qui vivent à Nidalgo au quotidien à Paris, vous partez à 5h pour arriver à 8h au bureau. Bon. Et donc, vous arrivez au bureau et vous dites, wow, c'est super, j'ai un service premium, il va me livrer dans 2 heures. Mais t'es chez toi ? Ben non. Tu rentreras à quelle heure ? Wow, 20h30. Ben pourquoi t'en as besoin dans 2 heures ? Ah bah ouais, mais c'est super de l'avoir dans 2 heures. C'est rapide. Et ça t'apporte quoi ? Bah rien, mais c'est quand même là dans 2 heures. Bon. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? On dit, bah, soit on continue comme ça, à surfer sur la surface du téléphone, soit on regarde un petit peu derrière. Et derrière, il y a qui ? Il y a un livreur, et là je rejoins Philippe, il y a un livreur qui est payé 7,50 de l'heure, qui n'a aucune couverture sociale. Quand il tombe, il est à l'hôpital, il n'a aucun revenu de substitution. Et ce mec-là, au lieu de payer 1 ou 2 euros de plus dans un service français comme Stuart, par exemple, qui fait les mêmes livraisons, vous dites, bah non, il ne livre pas en 2 heures et puis il est un peu plus cher. Eh bien, si vous voulez changer le système, commencez par payer un peu plus cher. Parce qu'un service, avant que le world is flat et que tout soit au coût marginal, ça a un prix.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes derrière, et que si vous voulez que ces hommes et ces femmes enrichissent la société, ben, il faut les payer un peu. Et donc, si tout le monde commence à remonter d'un cran, c'est la société entière qui remonte d'un cran. Si on sort du pouvoir d'achat, du prix toujours plus bas, pour remonter vers le prix le plus haut, un prix plus haut, c'est plus de marge, c'est plus d'investissement, c'est plus d'emploi. Pour l'instant, en tout cas, le capitalisme d'origine, ça fonctionne comme ça. Moi, comme entrepreneur, c'est simple, l'équation, j'ai de la marge, j'investis, je crois, j'emploie. Bon. Donc, si vous poussez le prix toujours vers le bas, ben, à un moment donné, effectivement, il y a quelqu'un qui est plus capable de rendre la prestation. Et là, effectivement, on rentre vraiment dans l'esclavage moderne. Donc, vous savez quoi ? C'est ça qui est extraordinaire et très positif dans cette conférence ce matin, c'est que la solution, vous l'avez au bout de l'index. Donc, vous pouvez faire émerger des systèmes différents. On peut se poser la question de savoir si, finalement, je ne vais pas faire l'apologie du travail au noir, mais même si ce gars qui transporte chez Hitch et qui ramène chez lui finit par ne pas le déclarer, franchement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu ? Est-ce que finalement on ne va pas le retrouver dans la consommation, ce qu'il gagne ? Bon. Est-ce que ce gars qui gagne 300 euros de plus par mois, est-ce que vraiment la fiscalisation de ce qu'il fait est vraiment un problème ? Et enfin, sortons là aussi de la politique fiscale. Moi, mon premier métier en sortant d'HEC, j'avais fait du droit, a été de bosser chez Baker & McKenzie, chez Linklater et chez Francis Lefebvre. Bon, en 3 ans, j'ai cru croire que je pouvais être fiscaliste. Bon. Et donc, mon métier pendant 3 ans, ça a été de faire des mécanismes d'optimisation fiscale. Donc ça, pour le coup, je peux vous en parler très longtemps. Hein. Et tous ceux qui disent depuis 2-3 ans que c'est honteux, les GAFA ne payent pas leurs impôts, c'est ceux pour qui j'ai fait des mécanismes d'optimisation fiscale pendant 3 ans, quand j'étais, il y a 25 ans, dans un cabinet de fiscalité, et à 25 ans avant moi, d'autres le faisaient. Regardez les Paradise Papers, on ne parle pas beaucoup de Google, Facebook, hein. Par contre, on parle beaucoup de Nike, on parle beaucoup d'Apple, on parle beaucoup de la reine d'Angleterre. Ce n'est pas des start-up, la reine d'Angleterre. Hein, bon. Donc, ça se verrait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sujet de la fiscalité nous pousse à avoir une attitude extrêmement défensive en Europe en disant « on va les punir, on va les taxer ». Bien sûr qu'il faut revoir la fiscalité. Hein, mais en attendant, est-ce que ça va nous donner des champions ? Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste notre consommation et 2 choses. Et je vous donne un exemple très concret de modèle alternatif. Premier modèle alternatif, on a une très belle boîte en France qui s'appelle Bibend. Et vous avez, j'ai vu hier dans la presse, j'allais à Nice, j'ai vu dans la presse, dans un journal très nul par rapport à la Tribune, mais les Échos, j'ai vu, mais il y avait aussi certainement à la Tribune, un article sur cette magnifique boîte lyonnaise qui fait du transport de 6 personnes dans un véhicule connecté autonome. Bon. Et j'ai lu une phrase qui m'a déchiré, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres termes, dit « bon, la première expérimentation commencera peut-être à Lyon ou à Paris ». J'ai trouvé qu'il y avait un mot en trop, « ou à Paris ». Pourquoi une boîte lyonnaise devrait faire sa première expérimentation à Paris ? C'était à Lyon, berceau de cette boîte, qu'on doit lui donner la première expérimentation, bien entendu, hein, parce qu'il faut réenchanter nos territoires. Donc, modèle alternatif, je vous en donne un. Très belle boîte qui s'appelle Bibend. Le modèle alternatif, c'est la proximité, donc, si j'entends bien. Voilà. Parce que je reviendrai à un thème tout à l'heure, qui est face à l'infiniment grand qui est en train de nous envahir. C'est le local, quoi, c'est ça, retour du local. C'est de voir comment faire de l'infiniment petit, coaliser avec des outils, une force monstrueuse qui peut, au contraire, lutter contre cette géantisation, cette mondialisation. Bibend, c'est une boîte française avec une technologie française, inventée par des bons ingénieurs français, comme on sait les produire, qui donne Internet aux 2,5 milliards d'individus sur Terre qui ne peuvent pas y avoir accès. Outre le fait de ne pas avoir la chance d'avoir 8,000 copains sur Facebook et d'avoir des colis en 2 heures dont on n'a pas besoin, l'intérêt surtout d'avoir Internet, c'est de pouvoir accéder à la formation, à l'information, d'être un outil de démocratie et surtout de pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent d'accéder à des biens dont on a vraiment besoin. Première application en Afrique. C'est pour ça que ma marotte sur l'Afrique, et je vais vous expliquer pourquoi. On démarre sur l'Afrique et on démarre avec la poste abidjanaise, la poste de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que dit la poste d'Abidjan ? Elle dit, moi, je veux devenir l'Amazon africain. On ne veut pas d'Amazon, on ne veut pas des Américains. Les Chinois sont en train de défoncer l'Afrique depuis 10 ans, disent, c'est bon, on a compris, on n'en veut plus non plus. Trouvons autre chose qui nous enrichisse, nous, Africains. Bibend met sa technologie sur le backbone, enfin c'est un peu technique, de l'opérateur télécom. On prend MTN, qui est un opérateur sud-africain, qui est dans une 30aine de pays. Et du coup, là, dans les prochains mois, 150 000 emplois de livreurs, logisticiens, marketeurs, etc. vont être créés en Côte d'Ivoire,
par une boîte ivoirienne qui va créer des services pour irriguer tout le monde, y compris le mec qui est dans un désert, dans le désert de Lompoule au Sénégal ou à limite du Burkina et du Mali, et tout à coup on va pouvoir livrer des semences, on va pouvoir livrer des médicaments, on va pouvoir livrer de l'alimentation, en plus avec une technologie anglaise qu'ils ont intégrée qui permet, vous savez, vous avez vu ce truc, ça découpe la terre en carré d'un mètre sur un mètre, ce qui fait que, enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé dans le désert africain, etc., où moi je vais tous les trois mois pour d'autres raisons, pour une ONG à laquelle je participe, et du coup, même si quelqu'un est dans une case et l'autre dans une case à un mètre, je sais exactement à qui je vais le livrer, au mètre près. Ce qui signifie que demain, on a calculé qu'à l'échelle de l'Afrique, ça pouvait être 3% de PIB en plus et quelques centaines de millions d'emplois locaux. Pas de l'intelligence artificielle, pas des emplois automatisés, des vrais emplois pour des gens. Bon. Et imaginez que cet impact-là, sur la bande sahélienne, si aujourd'hui on ne sait pas faire reculer le désert ou amener de l'eau, il y a 400 millions de personnes qui vont se retrouver sans territoire. Et croyez pas qu'ils vont rester en Afrique, ils vont débarquer en Europe. Donc ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Ce qui signifie que ces technologies aujourd'hui, quand elles sont bien utilisées, un, elles peuvent résoudre le problème de l'eau, le problème du désert, le problème de l'alimentation, le problème de l'éducation, parce que du coup, dans ces déserts, on peut mettre de la lumière avec du solaire, les gamins étudient le soir, ils accèdent à l'éducation, donc ils peuvent se former, et tout à coup, ils accèdent à des produits auxquels ils n'accédaient pas avant. La technologie peut inventer un modèle alternatif d'origine européenne et faire s'enrichir l'Afrique et l'Europe en même temps. Et c'est ça un modèle alternatif. Et ça, du coup, c'est nous qui pouvons le faire naître, parce que c'est à nous, consommateurs, de l'utiliser. Ça coûtera un peu plus cher, ça ne coûtera pas le prix d'Amazon, mais ça coûtera le prix d'avoir des emplois humains. Et les emplois humains, jusqu'ici, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour contribuer vaguement au bonheur national et surtout à la richesse de l'économie. Donc, c'est ça des modèles alternatifs. Donc, moi, je voudrais que vous reteniez juste deux petites choses, si je puis me permettre de façon très prétentieuse. Un, vous avez sous votre index la capacité de faire naître des modèles différents. Donc, arrêtez, je sais que c'est difficile quand on est étudiant et qu'on n'a pas encore beaucoup de sous, mais arrêtez d'aller toujours chercher le moins cher, ça se retournera contre vous. D'accord ? Donc, prenez un service qui est français, européen, qui propose un autre modèle social. Regardez Stuart, ils ont mis une mutuelle à leur livreur. Il leur donne accès au crédit via la banque postale, donc il n'y a plus besoin d'avoir un CDI, le sacro-saint CDI français qui de toute façon va exploser à terme. Ils n'ont plus besoin de l'avoir, ils ont accès au crédit comme tout le monde, et là ils sont en train de réfléchir à une formation. Et nous à l'Observatoire, on a commencé avec El Khomri, on continue avec Muriel Pénicaud, à négocier une responsabilité sociale des plateformes pour que ces plateformes puissent contribuer à un modèle social, non pas pour les rendre salariés, on s'en fout qu'ils deviennent salariés, c'est pour qu'ils aient un socle social qui soit digne d'une société dite développée. Donc, à partir de ce moment-là, le discours, c'est plus salaire ou pas salaire, c'est est-ce qu'il y a un socle social qui fait qu'on peut être fier de l'économie qu'on crée. C'est tout. On s'en fout de savoir s'ils sont salariés, qu'ils ont un CDI. C'est important de savoir s'ils sont formés, s'ils ont une protection sociale, un accès éventuel au chômage, une garantie, une mutuelle, une santé. Et après, ils peuvent bien rester indépendants. C'est peut-être pour ça que Macron veut donner le chômage aux indépendants, d'ailleurs. C'est vraisemblement, je pense qu'à un moment donné, nous, même on a si réfléchi. Mais si c'est pas comment le financer. On alors, avait, Denis, je reprends la main. Juste pour finir, sur ton point, parce qu'il est important, on a réfléchi à un statut de l'actif, en disant qu'on soit micro-entrepreneur, auto-entrepreneur salarié, il y a un socle social. Hein. Attention, on a prononcé le nom de Macron, de nom de Macron dans l'hôtel de région. Comment de on finance la généralisation de l'assurance chômage, y compris pour les indépendants. C'est ce que disait Michel tout à l'heure. Ce qui veut bien dire qu'il faut qu'il y ait de l'emploi humain, sinon on le finance pas. Je voudrais passer la parole à Michel en reprenant tout ce qui vient d'être dit, pour être optimiste. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que les besoins, ils existent. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup pour qu'en France, comme dans le monde entier, les gens se disent « j'ai plus envie de prendre ma voiture, je veux avoir un chauffeur, je veux faire un trajet. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire de voiture, je veux être propriétaire du trajet que je veux faire. Je veux, depuis chez moi, me faire livrer ce que je veux. » Et donc, tout d'un coup, on a vu émerger partout dans le monde, pas qu'en France, des besoins qui est « je veux me faire livrer par, évidemment, le chauffeur ». Donc, la régulation, elle est, c'est, je pense, le chaînon manquant. Et on vient d'en parler, il faut le faire. Mais le besoin, il existe. Et c'est ça, la bonne nouvelle. C'est que les nouvelles technologies, finalement, nous apportent, au bout du doigt, comme vous le dites, et peut-être demain, par la voie, avec l'arrivée
des systèmes d'intelligence artificielle à la maison. On sait que c'est une des prochaines révolutions qui va arriver. On pourra commander quasiment un robot qui sera une sorte d'interlocuteur avec qui on va pouvoir et qui connaîtra peut-être notre vie mieux que nous. Mais pour pas qu'il nous domine, il va falloir qu'on le domine nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que les besoins sont là. Et les besoins sont immenses, Michel. Et je pense que c'est ça, la révolution quaternaire. Et ce que vous pourriez décrire, on a un peu parlé de démographie. On a tellement de problèmes sur des sujets, comment s'occuper de la santé des personnes âgées dans les zones rurales, le rôle de la poste. Bon, il y a plein d'initiatives, pour en citer une. Il y a un groupe de pharmacie à Marseille, mais qui va faire ça dans toute la France. C'est allié avec la poste pour livrer les médicaments aux personnes dépendantes dans tel ou tel quartier de Marseille, je crois, pour commencer, etc. Donc il y a des tas d'initiatives extrêmement positives qui créent de l'emploi, parce que ce n'est pas encore des drones qui vont les livrer. Comment est-ce qu'on peut structurer ça? Comment on peut créer une plateforme française et pourquoi pas européenne? Parce que finalement, ce qui est le plus frappant dans ce qu'on voit dans ces évolutions, sans tomber dans la science-fiction, mais ce qui est la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plateforme française et européenne de la taille de celle de Google, de la taille de celle d'Alibaba, d'Amazon, de Facebook. Et c'est là qu'on a peut-être raté quelque chose. Oui. Alors, je voudrais dire d'abord que je partage tout à fait ce que tu dis. Je voudrais simplement élargir cela. C'est-à-dire, ce qu'il faut encore une fois bien voir, et j'ai évidemment un point de vue d'économiste, c'est que le paradigme qui est porté là est un paradigme de coût marginal nul, c'est-à-dire, encore une fois, dans lequel la gestion de la matière et des hommes ne fait pas partie du paradigme. Sur la matière, c'est quand même extrêmement ennuyeux, parce qu'il faut que la nature, on a besoin de la préserver. Donc, on ne voit pas très bien dans ce modèle comment on va aller vers une croissance durable, parce que la matière va être confiée à chacun, et donc chacun n'est pas capable de la gérer. Hein. On voit bien, on nous dit qu'il faut recycler, il faut rapporter, etc. Ce n'est pas notre métier. Donc, tant qu'on n'aura pas dans le paradigme même des producteurs quelque chose qui va amener vers un recyclage, une fonctionnalité, etc., je ne crois pas que ça arrivera. Donc je pense aussi et surtout que la façon de satisfaire nos besoins avec les technologies numériques va être extrêmement rabaissée si nous confions ces mises à disposition de biens et de personnes à tout un chacun. On a évidemment intérêt à confier ça à des professionnels qui vont monter le niveau de ce qui va pouvoir être mis à disposition. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Et je vais prendre un exemple. On a toujours en tête qu'en fait, ce qu'on mettrait à disposition, là, les personnes, ça va être la femme de ménage, ses petits boulots, les services à la personne du plan Borloo, etc. Bon. Mais si on réfléchit bien à la chose, les solutions qu'on veut apporter, ces solutions quaternaires qu'on veut apporter, en fait, c'est une solution complexe. Prenons le cas de la prévention des chutes pour les personnes âgées. Bon, je pense qu'à là, mais on pourra en prendre beaucoup d'autres. On peut prendre l'autopartage aussi. Bon, la prévention des chutes des personnes âgées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la personne ait une pose de capteur à la maison sans qu'elle les achète, parce que ça n'a aucun sens d'acheter des capteurs. On voit bien pour les capteurs de fumée, les gens les ont achetés et c'est terminé. Ils sont soit tombés parce qu'ils les ont mal collés, soit ça a sonné, ils ne savaient pas comment l'arrêter, soit ça ne sonne plus parce que les piles sont usées. Donc on voit bien que cette formule où un objet qui n'a que pour fonction de donner de l'information, ça n'a aucun sens de l'acheter, aucun sens de l'acheter. D'ailleurs, Fnac Darty, vous allez le voir très prochainement, ils vont avoir des ventes de biens et de solutions, parce qu'ils comprennent bien que ça, voilà, ils ne vendront pas des objets connectés comme ils vendaient des machines à laver. Voilà. Bon, donc, donc il y a ce premier service qu'il va falloir mettre en place, qui est la pose d'un objet que vous n'aurez pas acheté, d'un capteur que vous n'aurez pas acheté, d'une entreprise qui va le poser, l'entretenir, venir sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit, sortir les piles, etc. Bon. Vous avez besoin d'une autre entreprise de service qui n'a rien à voir, qui va surveiller à distance les données collectées par cet objet connecté.
Ça n'est pas du tout le même métier. Et vous avez un troisième métier qui est celui de la personne qui, en cas d'alerte sur ce qui se passe chez la personne, va devoir venir intervenir. D'accord ? Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et c'est ça dont rêve la personne âgée. C'est pas d'aller chercher ses capteurs séparément, de les acheter, machin, d'appeler, tout ça. Bon, elle veut une solution cousue main. Et elle veut aussi avoir un interlocuteur, elle peut avoir chez Fnac Darty, elle va au truc des solutions et elle demande une solution. Elle paye chaque mois une solution de prévention de chute. D'accord ? Et elle délègue tout ça. Et elle a un bouton pour dire ça n'a pas marché ou ça a marché. Et elle ne paiera que si le grand distributeur de ces solutions l'assurera qu'effectivement tout a vérifié, que tout a bien fonctionné. Bon, encore une fois, tout ceci, c'est ce qu'essaient de faire aujourd'hui les entreprises, les assureurs, la poste, etc. C'est ça qu'ils essaient de faire. Et pas ce qui, de toute façon, sera ubérisé, qui est une relation directe entre le producteur et le consommateur. Ça, c'est le truc simplissime qui sera ubérisé, et tant mieux. Et il faut que ça aille dans la direction qui a été dite, c'est-à-dire il faut tout... Très bien, très bien. Simplement, on voit bien qu'on peut faire beaucoup mieux, avec des emplois qui seront effectivement d'emblée des emplois de meilleure qualité et qui feront école pour les emplois qui seront ubérisés. Il n'y aura pas de meilleure protection pour les emplois ubérisés que s'il y a d'autres emplois en entreprise qui, eux, seront d'emblée plus protégés. Donc, on a besoin... c'est pas seulement bien sûr il faut améliorer tout ce qui va être ubérisé et en coût marginal nul, mais on a besoin, le consommateur a besoin de choses plus sophistiquées que ça. Les technologies numériques permettent de le faire, les sociétés de services sont en train d'essayer de l'organiser, parce que pour elles, c'est la façon de lutter, de se positionner par rapport à l'ubérisation, et que c'est dans cette concurrence entre deux types de façons de satisfaire les besoins par ces mises à disposition de biens et de personnes sur les lieux de vie, deux types différents, complémentaires, utiles, que je pense il faut que nous allions. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout pour nier l'intérêt de tout ce qui est ubérisé avec ces plateformes dites biface qui interfacent un producteur avec les consommateurs. Donc ça marche très très bien. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose de beaucoup plus complexe, une espèce de plateforme multiface qui fasse ce parler entre elles de façon automatique toutes ces entreprises de services qui vont pouvoir enrichir ces bouquets de solutions quaternaires et donc qui vont permettre effectivement d'apporter une bien meilleure satisfaction des besoins aux consommateurs et qui vont en même temps permettre d'installer la fonctionnalité et la circularité. Parce que lorsque Darty ne vendra plus les objets mais les gardera, eh bien, je peux vous assurer qu'on aura évidemment une bien meilleure gestion de ces matières. D'ailleurs, que l'obsolescence programmée n'aura plus de sens, puisque Darty ne gagnera pas sa vie à vendre ses objets, mais à les entretenir, à les connecter et à faire en sorte que des personnes viennent nous aider à les entretenir et à gérer les urgences que ça aura signalées. Donc, on voit qu'on est dans un modèle qui se rapproche beaucoup d'une croissance durable, à la fois parce qu'il est très créateur d'emplois, et qu'en même temps, il promeut une croissance qui gère la matière et qui donc, en ce sens, sera beaucoup plus précautionneuse de l'environnement. Denis, une question qui revient souvent. Les robots l'emportent, est-ce qu'il va falloir taxer les robots ? Effectivement, c'est l'idée du revenu universel. Est-ce que, on voit bien qu'on l'a dit, il y a une augmentation des inégalités qui est en partie liée aussi à cette ubérisation. Même moi, j'ai entendu le patron de Google dire un jour, si on pousse à l'extrême finalement le modèle dans lequel on est, oui, il faudra faire un grand impôt sur le capital des vainqueurs de cette ubérisation qui seront la pointe de la pyramide, parce que sinon ça sera une révolte sociale. Tu as porté le débat sur la question politique, c'est-à-dire l'écrasement des classes moyennes, hier par la désindustrialisation et la première mondialisation, et là la deuxième mondialisation qui est technologique, qui crée ces géants et qui quand même pose un vrai sujet. Est-ce que ça c'est pas un sujet quasiment pour le G20, enfin d'un
On parle beaucoup d'optimisation fiscale en ce moment, et de ça concerne aussi les GAFA dans le cas d'espèce. Ouais. Bon, alors, ouais, autant évacuer les fantasmes directement. La taxation du robot, il faut oublier, parce qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui de l'intelligence artificielle, etc., c'est de l'automatisation. C'est pas de remplacer un ouvrier par un robot, c'est d'automatiser toute tâche qui est faite plus de 3 fois dans une même journée. Ce qui signifie que, en réalité, un auditeur, un expert comptable, un radiologue, un gestionnaire de fortune, aujourd'hui, qui sont des gens qui ont des bacs plus 30 ou 40, sont effectivement des gens dont une partie de la fonction peut être automatisée. Mais c'est un programme informatique, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas un robot, c'est pas palpable. Donc, je veux dire, cette espèce de vision très années 70 et comics books qu'ont encore une partie de la gauche française n'existe plus. Je veux dire, le robot ne va pas... voilà. C'est l'automatisation qui arrive, c'est l'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec des petits robots plus ou moins sympathiques qui viennent faire vos trucs, etc. Donc, ceci étant dit, donc, la question se voilà. pose, savoir s'il faut taxer... Exactement. Alors, donc moi, je pense qu'il y a plusieurs... il y a vraisemblablement plusieurs solutions. La première, c'est... bon, moi, alors j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis, j'y suis tous les étés, et cet été, je crois, le 16 ou 17 août, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, Jeff Bezos, patron d'Amazon, est devenu l'homme, pendant 24 heures, l'homme le plus riche de la Terre. En trillions. Vous voyez à peu près ce que c'est qu'un trillion, moi je ne vois toujours pas, mais si regardez le nombre de zéros que ça fait après la virgule, enfin avant la virgule, c'est impressionnant. Ça signifie que la vraie réflexion qu'on va devoir avoir, c'est sur le partage de cette survaleur. C'est-à-dire que puisqu'aujourd'hui on attribue une valeur totalement déconnectée de la réalité à toutes ces boîtes, regardez les deux boîtes qui sont insérées sur les monnaies spéculatives, qui sont des concurrents au Bitcoin, et la technologie qu'il aurait fournie, elles étaient valorisées la semaine dernière pour une levée de fonds de 500 millions à 29 milliards. Bon. Ou la boîte de jeu en 3D il y a 3 semaines qui a fait une levée de fonds de 500 ou 600 millions, elle est estimée à 20 milliards, tenez-vous bien, elle n'a toujours pas sorti un premier produit. Bon. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est à la ressource. C'est comme le débat sur la fiscalité, on se dit, mais pourquoi ils échappent à l'impôt? On devrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ressentent un tel besoin d'y échapper. C'est peut-être qu'on est monté très haut dans les impôts. Les États qui ont des impôts bas, les gens les payent. Bon, donc bah, du coup, tout le monde les paye. On devrait peut-être se poser la bonne question. La bonne question, c'est que nos équilibres sociaux sont à la rue et notre endettement est maximum. Donc, c'est-à-dire que la première chose, c'est des mesures qui n'ont rien à voir avec le digital. C'est du très simple. Il va falloir voir comment on va réussir à insérer les jeunes dans l'emploi, notamment ceux de faible qualification, et remettre de la place pour les seniors dans l'emploi avec une plus forte longévité, quelle qu'en soit la forme. Temps partagé, portage salarial, facturation, peu importe, il va falloir qu'on travaille plus longtemps et qu'on soit plus nombreux à travailler. Tant qu'on n'aura pas réussi ça, qui est une réforme politique, qui demande du courage, parce que depuis 30 ans qu'on nous parle de l'âge fatidique et symbolique de 60 ans, on est en train de se tuer. Et on a tué les seniors à cause de ça. Donc il faut absolument réintroduire les gens. Une fois qu'on a réintroduit les gens, qu'on a réintroduit l'idée que les gens, c'était important et que le fait qu'ils travaillent était important et que le fait de travailler n'était pas un péché, on veut à nouveau, à ce moment-là, avoir une économie dont la présence de l'homme dans l'emploi reste un objectif. Parce que l'emploi, ce n'est pas important uniquement pour des raisons financières. C'est aussi le regard de l'autre et c'est son utilité, sa présence, sa self-esteem dans la société. C'est ça la première mesure. À partir de ce moment-là, on commence à désendetter un peu les États. Une fois qu'on désendette les États, bah du coup, les États, il y a moins de pression sur les énormes boîtes des GAFA ou les autres pour créer de la survalorisation, puisqu'on en a un peu moins besoin, puisque plus de gens travaillent. Donc en fait, il faut juste revenir à des fondamentaux de l'économie. Plus il y a de gens qui bossent et qui cotisent, moins il y a de déficit, moins il y a de déficit, moins on met la pression aux boîtes pour cracher des profits, parce que quand on leur demande de cracher des profits et qu'elles n'ont plus de productivité, la seule solution, c'est de licencier des gens ou de les remplacer par des automatismes. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, pourquoi le revenu universel est si communément important? Alors nous, en France, on pense que le revenu universel, c'est une idée de gauche. Le revenu universel est inventé par les libéraux. Et pourquoi est-ce que ce revenu universel revient dans la bouche de Peter Thiel, d'Eric Schmidt, c'est-à-dire de ceux qui sont plutôt libertariens chez les GAFA? C'est parce qu'ils savent très bien qu'on s'oriente vers une société qui n'aura pas d'emploi. Bon.
Et regardez, il reste 20% des boîtes qui étaient cotées en bourse en 1939, il en reste 20% aujourd'hui au Nasdaq. Et on sait que dans 20 ans, vraisemblablement, il restera à peine 20% de ces boîtes-là. Et regardez ce que représentent ces boîtes-là en termes d'emploi. Zéro. Rien. Amazon, c'est que dalle en emploi. Google, c'est que dalle en emploi. Ça veut dire que les plus grosses boîtes au monde sont des boîtes qui ne savent créer de la croissance, mais pas d'emploi. Donc ça veut dire que pourquoi les libéraux, les libertariens vendent cette mesure ? C'est parce que simplement ils ont compris qu'on ne saurait pas, en tout cas à terme prévisible, créer suffisamment d'emplois pour tous. Donc ça revient bien à mon point de tout à l'heure, qu'il va commencer à falloir organiser des activités entre nous, soit pour générer des revenus supplémentaires, soit pour baisser nos coûts. Il n'y a pas de solution dans la vie. Soit vous baissez vos charges, soit vous augmentez vos revenus. Donc, et c'est là où l'économie collaborative prend tout son sens. Mais pour ça, on retombe à nouveau sur mon consommateur qui peut les faire naître s'il les adopte et qu'il s'en sert. Et à partir de ce moment-là, on peut retrouver une économie extrêmement intéressante. Donc du coup, le robot, on ne pourra pas le taxer. Par contre, taxer cette survalorisation, moi j'y serais assez favorable, mais on a proposé nous autre chose à l'Observatoire. On a dit, dans l'économie telle qu'elle est dans les plateformes, est-ce qu'on pourrait donner accès au capital à ceux qui sont des indépendants? Imaginez que vous soyez chauffeur VTC, livreur chez Deliveroo, esthéticienne chez PopMyD, codeur-programmeur sur Créads ou graphiste, etc. Pour des professions d'ailleurs pour lesquelles ça se passe très bien l'ubérisation. Ils gagnent même mieux leur vie et dans de meilleures conditions et pourtant ils ne sont pas salariés. Bon. Ben, imaginez effectivement qu'aujourd'hui ces gens-là deviennent actionnaires. Imaginez que demain, moi je sois chauffeur VTC, je suis actionnaire d'Uber, 0,00 quelques%. Et qu'Uber finisse à l'arrivée du transport autonome, puisque Uber n'a pas envie de faire chauffeur-taxi, il veut devenir le logiciel mondial du transport autonome. Et là, il gagnera un fric fou, puisqu'il n'aura plus de chauffeur, et ce sera une boîte informatique. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand ils vont rentrer en bourse à 100 milliards, vous savez quoi? Si j'ai bossé 4-5 ans chez Uber, je vais peut-être toucher 50, 100 ou 150 000 euros. Ben, avec cet argent-là, je peux me former, je peux monter une petite entreprise, un commerce, un truc. Donc, ce qu'on doit faire, c'est voir comment partager cette survalorisation qui est totalement délirante, déconnectée de la réalité, 67 milliards pour une boîte qui perd 3 milliards l'année dernière, et de faire en sorte que les tout petits en bas en profitent. Donc, ce n'est pas par l'impôt. L'impôt, vous le donnez à l'État, l'État le gaspille. Donnons-le directement aux gens. Eux, les gens savent gérer leur budget. Donc, merci Denis. Voilà, donc alors je pense conclure. Que c'est ça la solution. Monsieur Babi, je vous rappelle, la conférence se termine dans 5 minutes. Merci de conclure dans quelques minutes. Alors merci. Eh bien, Michel, la conclusion peut-être vous appartient pour essayer de synthétiser tout ce qu'on vient de dire, c'est pas évident, mais peut-être de nous projeter dans un avenir un peu plus positif et favorable et que les gens partent de cette salle en n'ayant pas le sentiment qu'on a perdu la bataille, mais que le combat ne fait que commencer. Je crois que c'était intéressant qu'on soit deux orateurs complémentaires, parce que je pense qu'encore une fois, nous sommes d'accord sur le fait qu'on peut arranger ce que les économistes appellent le coût marginal nul, qui est un paradigme très particulier, qui encore une fois, et tu l'as dit à la fin, a pour vocation d'éliminer l'homme. Bon, donc dans un premier temps, ça fait des petits boulots, dans un deuxième temps, ça élimine l'homme. Bon, donc on peut toujours rêver qu'on va arriver à trouver le moyen de faire en sorte que tout le monde, etc. Bon, moi ce que je dis, c'est qu'il y a une façon complémentaires, que les acteurs sont en train d'essayer de faire, que les consommateurs souhaitent, qui permettent de faire des solutions d'une autre nature, plus complexes, qui géreront la nature, etc., et qui, de plus, permettront de faire un autre type de plateforme très puissante pour gérer l'intelligence artificielle qui sera cette plateforme que j'appellerais multiface, c'est-à-dire non pas biface qui met, comme le coût marginal nul l'impose, en relation un producteur et un consommateur, mais beaucoup de producteurs avec le consommateur. Ces plateformes, si on sait fabriquer cette plateforme multiface au niveau européen qui va collecter toutes ces données personnels qui seront impactés, qui sont collectés, qui seront utilisés au passage, nous avons là une opportunité à la fois de créer de l'emploi, de faire une croissance durable, d'avoir des données
européenne que nous gérerons comme nous le souhaitons avec une plateforme qui pourra avoir une gouvernance éthique et ainsi pouvoir aussi avoir une gestion de l'intelligence artificielle qui soit faite avec les valeurs européennes et non pas avec les valeurs d'acteurs américains ou chinois. Donc, moi, ce que je voudrais que vous, éventuellement que vous reteniez, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a une solution très gaie qui est non pas de tuer les GAFA, mais de les compléter, ce qui permettrait d'avoir toutes les entreprises de services qui sont aujourd'hui en train de se battre pour pouvoir exister dans le monde de l'ubérisation, qu'elles aient leur place, qu'elles puissent apporter satisfaction aux besoins et effectivement cette satisfaction complexe qu'ils vont pouvoir apporter aux consommateurs. Encore une fois, le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de rentabiliser ce type d'industrie des solutions quaternaires que celle du coût marginal nul. Mais les acteurs sont en train de se coordonner pour partager ces nouvelles plateformes multifaces et pour s'organiser pour être rentables. Donc ce qu'on demande aux consommateurs aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute, parce que ce que espérons faire le gouvernement, c'est faire connaître l'existence de ces produits si on arrive effectivement à les rentabiliser. Et donc il faudra que le consommateur, quand il va chez Darty, il sache effectivement aller acheter des solutions quaternaires et pas seulement des robots acheter des robots ou plutôt aller acheter des solutions qui vont permettre de compléter chaque fois où ça sera nécessaire les robots par des solutions beaucoup plus sophistiquées que sont les solutions quaternaires. Bon, allez, pour conclure, Dieu est peut-être mort, mais l'homme n'est pas encore mort. On a certainement l'occasion de rediscuter de ces débats. Je voudrais remercier les deux intervenants qui sont là et qui sont venus. Rappeler que, allez, on va être sympa, ils ne sont pas venus, mais Laurent Alexandre, qui n'était pas là, vient de sortir un livre qui s'appelle « La guerre des intelligences », que Pascal Pic, qui n'était pas là, a sorti un livre qui s'appelle « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» que Denis Jacquet a écrit « Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien », que Michel Dubonneuil va signer, je crois, dans une salle proche d'ici, et donc pouvoir rencontrer ses lecteurs, son livre « La révolution quaternaire ». Merci à tout le monde, et puis à bientôt. À la tribune, bien sûr.